Pourquoi est-ce que t'es tordu? Cette fois-ci est tordu, hein? Je rêve pas. Bonjour la famille. Monday morning again. J'ai un truc à. Alors, messagerie, décès, pourquoi elle me parle le mardi? Il s'agit du 3. Bonjour la famille, connectons-nous et bipé tout ce beau monde-là, tous ceux qui se reconnaissent comme Schtroumpf. Suite. Oh shit. Suite. Connectons-nous. Bon début de semaine. Je fais l'appel. J'ai fini d'envoyer ça. Notre échange. Le genre de truc, si tu dors avec un truc le week-end. Voilà. J'arrive même pas encore à réfléchir. Connectons-nous, la famille. J'arrive, hein, oula. Et j'écris n'importe quoi. Ce serait tel livre. Non, c'est pas cela. Hein. Ce mercredi. S'il vous plaît. Interrogation, Karine. Dans l'attente. J'arrive. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, hein, nous sommes multitâches, n'est-ce pas? Le temps passe. Alors, nous commençons le direct. Bonjour à tous, le cueil. Nous commençons le direct aujourd'hui par cette petite vidéo-là. Je parle comme un lyonnais. On ne dit pas cette. On dit cette petite vidéo. Mais connectez-vous, hein, vous me fuyez. Hey, Massa, je ne fais pas le bon job à moi. Chouette to God. Ah, ce n'est pas la sonnerie que je veux mettre, mon petit. Je veux mettre le son. Certains d'entre nous tiennent des propos comme si
aussi donner le sentiment que ils font tout ça pour X ou Y. Non, nous faisons tout ça pour nous-mêmes et notre pays. Rebelote. Replay. Chacun de nous doit être conscient que nous battons pour une cause et pour notre pays. Mais pas pour une personne. Même si je compte le drapeau du parti aujourd'hui, je suis d'abord et avant tout militant comme vous. Et bien souvent, certains d'entre nous tiennent des propos comme si donner le sentiment que ils font tout ça pour X ou Y. Non, nous faisons tout ça pour nous-mêmes et notre pays. Voilà. Est-ce que le son était bon? Ou bien vous voulez que je vous le dise? Non, ma voix ne porte pas. Non, ma voix, non, non. Non, je voulais aller faire un café, mais... Non, non, ma voix ne porte pas. Le père a parlé. Oh mince, je me suis coupé la tête. Marie-Antoinette. Le père a parlé, n'est-ce pas? Oui, oui, vous donnez l'impression que... Vous battez pour quelqu'un d'autre. Non, mais sérieux, de vous à moi. Yeah! Est-ce que le cercueil a deux places? Hmm? Même quand une maman meurt avec un fœtus dans le ventre, on lui mouffe ça. Hein? On mouffe ça du ventre. Hein? On pose entre... Non, 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 c'est une place, les gars. Donc, c'est pas pour rien que j'ai associé tout ce beau monde. Hein? Marie Poulpoul. Tout ce beau monde, les schtroumpfs, donc Kamoa et nous on va être Kamoa, comment s'appelle même les autres, je m'en fous, Kamoa, Justine Boukam, hein, et compagnie. Hein? Vous donnez l'impression que quand vous luttez là, vous luttez pour le père. Est-ce que vous avez l'impression que le père lutte pour le voisin? C'est, il a signé tout seul, quand il s'est engagé dedans. Vous étiez là, hein? Non. S'il décide de s'arrêter, vous ne serez même plus là. Hein? Moi, je vous dis, si le père décide de s'arrêter, vous allez le faire quoi? Vous êtes là tous les jours. Oh, Pomba a fait que pour les sardines, hein, c'est Pomba. Pour les soi-disant tontinas, c'est que Père Kamto. Qui est ton leader? Oh, je suis en train même de mettre l'eau comme ça, peut-être qu'il y a le café, n'est pas dit. Allô, Vinton. Ouh, vraiment. Oui. C'est comme ça que je me retrouve le bec dans l'eau, maman Sarah. Il n'y a pas de café, il y a vous, bien sûr. Bon, écoutez, hein. Je repars avec le... Bon, on va faire semblant de boire quelque chose de chaud quand même. Bipez-les tous, il ne faut pas me fuir, hein. Moi, j'aboie mais moi pas. Qui est ton leader? Oh, ils ont dit que ce n'est pas Père Kamto qui les a fait sortir. Oh, Azambedou. Je demande, Père Kamto, il vit là-bas à Santa Barbara. Ma maison ressemble à la maison de Santa Barbara. Et l'appart où vivent ses enfants ici, ça ressemble à mon appart. Et donc demain, là, quand le Cameroun sera beau, ce sera pour Père Kamto. Mais Père Kamto n'aura même pas rap là-dedans. Il a sa retraite quelque part. Je ne sais même pas combien le Cameroun lui donne en tant que retraité. Le Cameroun lui donne combien? Cet homme-là, si le Cameroun lui donne 150 000, c'est le Pérou, hein, pour avoir été enseignant à l'université. Et encore, s'il touche 150 000, hein, nous savons qu'il y a la veuve d'un président qui a le bec dans l'eau, là, qui attend sa part de pension de réversion. Hein? C'est même pas dit que Père Kamto, après tout ce qu'il est en train de faire, là, quelqu'un a déclenché son dossier de pension, hein. Et? Je suis sûr que l'international lui donne une plus grande pension que le 237. Et vous avez l'impression que demain, là, si le 237 là, est beau, même si on revalorise sa pension, là, vous pensez que le gars, c'est avec ça qu'il va entretenir Santa Barbara, ne serait-ce qu'entretenir, payer la femme de ménage, le jardin et tout et tout. Vous pensez que ça va la pension du 237? Pour être toujours là, sa dent, son nom dans la bouche comme la bosse, sa dent, zoub, zoub. Oh, Kamto est monté, oh, Kamto est descendu. Oh, tiens, vous avez un enfant que vous allez baptiser Kamto un jour. Hein?
Vous avez un enfant que vous avez baptisé Kamto Ayouk, Kamto Assi, tu vas aux toilettes, hein, en ce qui concerne les sardines. Tu es constipé. Pardon, laisse-moi aller aux toilettes. Hein? La folle de Marie Poulpoul, là, elle dit qu'elle est un centre d'affaires. Elle est là, elle est crasseuse là comme moi. Hein? Tu regardes la porte, tu regardes les murs de la maison de la femme, là, les photos sont encore collées sur le mur sans cadre. Mais elle te dit qu'elle est un centre d'affaires. Ah, Zambodou. Avant même d'aller faire ton centre d'affaires, là, c'est que tu as déjà une petite cabane là qui ressemble à quelque chose. Mais maman, tu squattes sûrement sur une de chez une de tes soeurs comme moi quand je vais au 237. Je squatte ou chez ma mère ou chez ma soeur. Oh, ah. On a dit souvent, non, moi je suis une squatteuse. Il n'y a pas de maison au 237. Ne compte même pas en avoir. Ma mère a deux mounas, elle a acheté une maison. Hein? T4 bis. Nous avons chacun toujours sa chambre. Donc, quand ça me serrait ici. Mais j'arrive là-bas, même si ma soeur de dit à ma soeur que pardon, pose-moi la note quelque part, moi je dors seulement. Vous êtes toujours là, vous écoutez des imbéciles. Elle est là, elle dit que quand elle est coincée, il y a ses soeurs en bain qui lui avoir les dos, mais en même temps elle dit qu'elle est un centre d'affaires. Non mais, les Camerounais, même si on avait mis le bon sens, même si on met le bon sens dans les gélules, on vous file ça. Hein? Ah, va pas vous soigner de votre bêtise. Ah, chouette, quoi. Eh, Marie Poulpoul, vous tous là, hein, que ce soit les schrumpfs, que ce soit les sardinats, vous êtes tous les enfants du même père et de la même mère. Ah, chouette, God. Vraiment. Ce n'est pas parce que vous vous revendiquez d'un clocher ou de l'autre que vous êtes différent. Vous êtes pareil. Vous pensez que dans votre vie, quand vous commettez, vous posez un acte, vous posez ça pour quelqu'un d'autre. Ah, non, les gars. Une fois que tu as quitté papa et maman, quand tu poses les actes, tu es le premier concerné. Vous avez déjà vu où qu'à 18 ans, le responsable légal est encore votre père. Ah, moi, je vous dis que j'ai mon plus grand parti d'opposition à la maison, là. Qui voit déjà son échéance, ça parle d'échéance, ses mains. Hein? Elle est là, elle veut faire, elle veut jouer à part comme toi chez moi. Hein? Elle lui a dit que maman a 18 ans. Je ne suis plus ton responsable légal. Ça veut dire que 18 ans, 0 seconde. Tu fais une connerie là-dehors, on va juste m'informer. Hein? Donc, les vieux garçons, les vieilles filles comme vous, hein, vous voulez faire une connerie, pas comme toi dit que. Vous voulez emmerder le monde, pas comme toi dit que. Pas comme toi vient à l'ordre. C'est sa voix, hein. Moi, je vous dis souvent ça, mais comme ma voix, je ne suis pas comme toi. Chacun d'entre nous, hein, lutte pour un nouveau Cameroun. C'est nous-mêmes là. Hein? Si ce n'est pas moi directement, c'est ma famille là-bas qui va en profiter. Hein? Oui, c'est ma famille là-bas qui va en profiter. 600 personnes au plus bas mot. Donc dites-vous qu'avec ou sans Pakamto, nous, on va s'offrir lutter. Hein? Donc quand vous dites que, oh, qui est ton leader, Pakamto? Qui est ton leader? Mais tu es ton propre leader avant que Pakamto ne soit ton leader. Hein? Quand tu t'es réveillé là, tu t'es levé là le matin pour aller combattre. Mais mon gars, est-ce pas comme tu t'as sorti de ton lit? Le leader là, c'est toi-même d'abord. Ah non, ouais, je comprends. Ah ouais, vous êtes des irresponsables, donc vous n'êtes pas vos propres leaders. Je comprends maintenant. C'est pour cela que vous êtes toujours accroché à l'homme de Truy. L'homme de Truy doit porter 30 millions de Camerounais. Lui, que ce soit là-bas en Sardinavie. Quand sa sœur Marie Poulpoul, elle dit pas Kamto. Si pas Kamto ne veut pas, il va au champ. Mais, pas Kamto est chez lui. Et si t'es jeune, Marie Poulpoul, tu as un champ, un centre d'affaires. Tu portes une vieille cabale lundi avec le foulard posé là-bas comme une bêtise énervée qui n'a pas vu son mari depuis une semaine. Tu t'assois dans une, quand tu regardes, moi je regarde l'environnement de ces gens-là, hein. La photo est collée sur le mur comme mon poster, là. Une photo dans... Nous savons comment... j'ai eu l'impression de me retrouver face à la maison de mon grand-père. Oui, la première maison de mon grand-père, ça veut dire que la bicoque en tête, bête battue qu'il avait posée là pour mettre sa famille dedans. Quand il a annexé la forêt, hein, quand les bêtises disent souvent que Yaoundé se pose, là, moi, il lapse seulement. La forêt qui était Yaoundé. Hein? Vous voyez les trucs mal crépis là? Et on prend la photo brute de décoffrage, on pose sur le mur avec le chewing-gum de... Marie Poulpoul se lève et dit que j'ai un chantre d'affaires avec sa bouche remplie dedans. J'ai un chantre d'affaires chez Kamto. Nous maintenant, c'est la... Comment est-ce qu'ils disent ça? C'est la quoi? L'économie responsable, un truc comme ça. Chez Kamto, on n'est pas content. Il va au lac.
Pas comme tu as attendu que tu prennes ta caméra un jour pour être un grand dans ce monde-ci. Tu as connu pas comme tu en fin de carrière. Est-ce que tu connais le parcours de l'homme là? Non. Est-ce que tu es pour quelque chose dans son parcours? Non. Mais tu es là. Je parle comme ton air, il va au lac. Tu connais les affaires de pas comme. Tu sais combien l'homme là peut faire tomber par minute comme argent? Hein? Ton centre d'affaires là, il a coûté 100 millions. Mais par exemple, dans le cadre de suivi Cameroun minimum. La première fois qu'il allait voir Pa Tanga dit non, Pa Malachier, c'était 100 millions. Ton centre d'affaires là a coûté 100 millions. Du moins, ce que tu appelles que centre d'affaires. Vous essayez de blanchir l'argent des voleurs de Yaoundé, vous nous parlez de centre d'affaires ici. Et ma soeur de l'Est là. Vous êtes tous les enfants du même père et la même mère. Les rats, moi, le chat, et les schtroumpfs, et vous là. Et la sardine. Si vous n'avez pas dit pas comme tôt, les autres pour justifier leurs bêtises, et vous pour justifier le fait que vous ne voulez pas lâcher la mangeoire. Pas comme tôt est votre problème comme ils pensent que pas comme tôt est leur sauveur. Même pipe, même tabac. L'homme de Turi. Si éternuer voulait dire qu'on pense à quelqu'un, à Chouette ou si éternuer était comme la poussière dans les narines de quelqu'un, pas comme toi, est mort, sauf qu'il a la maladie de l'éternuement. Achoum! Chaque seconde, il superpose même les éternuements, parce que Marie Poule Poule va dire là-bas que, si je ne chie pas, c'est à cause de pas comme toi. L'autre va dire là-bas que si j'ai la diarrhée, c'est parce que j'ai trop mangé pas comme toi. Il faut mixer tous les deux pour trouver l'équilibre. Oui. Les Camerounais ne savent pas prendre leurs propres responsabilités. Ça veut dire que tu prends tes deux pieds là, tu vas poser un acte parce que toi. Non, tu t'es levé à cause de Parakamto. Donc si sa foi, c'est Parakamto. Un vieux de 40 ans, une vieille de 52. Waouh, j'espère qu'à 52, j'aurai encore un tout petit peu de bon sens. Hein. Oui, il va falloir vous emballer ça dans les gélules et vous donner ça comme traitement. Non, la famille. Nous luttons d'abord pour nous-mêmes en tant que citoyen de ce, en tant que, comment dire, faisant partie de cette patrie-là, hein? En tant que nation. Nous ne luttons pas parce que Pacam toi dit, si vous vous êtes levé parce que Pacam toi dit, d'ailleurs, est-ce que Pacam toi dit à quelqu'un de se lever, moi et Wanda soit l'affaire là. Nous nous sommes levés, je vous répète ici que nous nous sommes levés avant que Pacam toi ne sorte sa résistance. Hein? Nous étions là dehors. Le samedi après que, à Tarna avec un mouton sur la tête, avait volé les élections. Hein? Le samedi, là, les Allemands étaient dehors. Donc, Pacanto ne nous a jamais dit de sortir. Mais peut-être que vous, après, vous êtes sortis parce que Pacanto avait dit que résistance nationale. Mais les Allemands, eux, sont sortis avant. Paris a suivi le week-end d'après. Mais comme vous voulez toujours vivre dans votre film là, mais les gars, le film est gravé quand même sur une bande. Hein. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Parakamto vient de vous dire que vous luttez pour vous-même. Ne faites pas comme si il vous avait dit de lutter pour lui. Mais comme vous êtes des personnes têtues et orgueilleuses, vous allez continuer à nous faire chier avec votre Parakamto rien, qui est ton leader, qui est ton leader. Une comme moi là, I swear to God. Ce sont les choses qui me font même pas bouger d'un iota. Oh, ma ça, quand tu, je te regarde seulement comme ça, comme un chien regarderait la télé. La famille, les hommes bêmes, luttent parce qu'on leur lance deux, trois miettes. Et beaucoup, c'est par haine. Je sais pas ce que le peuple bamiléké leur a fait. C'est pas pure haine. Et la haine, je ne sais même pas si c'est de la haine. Moi, je qualifierais ça de bêtise carrément. Je qualifierais ça de bêtise parce que tu ne peux pas détester quelqu'un que tu ne connais pas. Comme tu as gâté le pays, il a gâté le pays dans quel sens? C'est lui qui gère le budget de ce pays-là. C'est lui qui claque les millions à l'intercontinental. C'est à cause de lui que vous n'avez pas de route. C'est à cause de lui que Yaoundé ressemble au plus gros bidonville, une capitale bidonville. Est-ce que vous avez déjà vu Yaoundé vu du ciel? Est-ce que vous avez déjà regardé Yaoundé vu du ciel?
Quand vous décochez, vous décollez soin de Yaoundé, de Simalène, là, vous allez y regarder à travers le hublot. Regardez à travers le hublot. Et regardez Paname quand vous venez atterrir ici, ou bien d'ici, ou je ne sais pas, ou d'où l'est, ou je ne sais même pas qui là. Quel aéroport, JFK. Regardez. Regardez en face.